Bonjour. Alors, normalement, un coupé cabriolet 307, quand vous mettez la main, comme ceci, avant même d'ouvrir la portière, hop, vous avez la vitre qui descend légèrement pour pouvoir l'ouvrir, puisque ça ne monte pas dans un montant, puisque c'est pas dans un montant de porte, je veux dire. Donc voilà comment ça agit. Donc l'autre côté, côté conducteur, ça ne marche plus. J'ai démonté et j'ai défait cette prise. Cette prise du capteur, vous voyez, donc ça c'est la poignée qui va de l'autre côté. Donc, voilà la prise, enfin les prises, puisqu'il y en a deux, mais bon, aucun rapport avec la bleue. Voilà, donc là, la orange était grillée pour faire le test. J'ai à peine tiré dessus, elle est venue toute seule. Voilà, alors je mets cette vidéo parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont ce problème. Bonjour, alors le problème sur CC, quand vous démontez la poignée, hein, là il y a le capteur de poignée, hein, souvent on démonte pour changer soit le capteur, soit la poignée complète. Alors ce qu'il faut faire vachement gaffe, sinon vous ne pouvez plus ouvrir de l'extérieur, mais juste de l'intérieur en tirant, donc là, l'extérieur ça ne fonctionne plus dès que c'est verrouillé, c'est à cause de la remise en place incorrecte de la serrure. Quand vous remettez en place la poignée, voyez ici, alors il faut un petit peu contorsionner là-dedans, hein, dans la porte, il faut absolument que ça tienne ici, alors pas dedans, hein, ça va en dessous, je le remets en place, hein. On ne verra pas grand chose pendant ce temps-là, voilà, là je le remets en place en dessous, donc c'est pas au milieu, c'est bien en dessous, pour pouvoir, quand on actionne la poignée, que ça agisse, donc, il est où le truc là, oui, il est là, quand on appuie, que ça puisse agir. Bon, le petit bout là il est cassé, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est du mal, dis donc. Alors, quand on a, je vais essayer de contorsionner. Voilà, quand on tire la poignée, ça agit, donc la gaine agit sur ce câble là pour pouvoir déverrouiller. Voilà, donc à la remise en place, le problème qui arrive, c'est que on contorsionne tellement que ça se met pas bien en place. Et du coup, ça n'ouvre que de l'intérieur et pas de l'extérieur. Alors, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de mettre un rislant. Vous savez, les petites lanières en plastique. Non, pas c'est une là, mais vraiment une toute petite là, puis faire le tour là. Pour essayer, pendant la remise en place dans la porte, parce que c'est pas évident, hein, que ça se défasse pas. Voilà.